Jazz est-elle réellement enceinte de son troisième enfant? A-t-elle quitté l'agence Shauna Evans pour Wee Evans? Qui fera partie de la GLC Family saison 2? La maman de Chelsea et Kaden répond à toutes ces questions. Suite à la diffusion de l'émission de télé-réalité GLC Family saison 1 sur la chaîne TFX, une prochaine saison sera tournée à Dubaï. Lors d'un snap, Laurent a sous-entendu que Jazz serait enceinte de leur troisième enfant et dans le dernier épisode de la saison, la famille fait durer le suspense pour la prochaine saison du programme. Suite à cela, plusieurs internautes attendent la confirmation avec impatience et aujourd'hui, la maman de Chelsea et Kaden s'est exprimée pour la première fois sur le sujet. Je sais que ça vous fait kiffer. Jazz, est-ce que tu es enceinte? Je sais pas. On verra bien. Pour l'instant, je peux rien vous dire. C'est si oui ou sinon, c'est un secret. Pour connaître la réponse, faudra peut-être attendre la saison 2 du programme. Et en attendant, Jazz a livré quelques petits détails sur le lieu et le casting du tournage via questions-réponses. La famille de Jazz, Eva Queen, son chéri, Mamie, Papi, Bilio, Karim et Sissika feront toujours partie de la team, mais d'autres candidats feront leur apparition comme Ayem Noor, Jaja qui sera le coiffeur styliste de la famille et les filles de Papi Bilio. Jazz souhaite aussi que Mélanie Dacruz, Camila Noré et Eddie participent au programme, mais pour l'instant, rien n'est confirmé de leur part. Et passons à l'info de la semaine. Jazz et Laurent auraient-ils quitté l'agence Shauna Evans? Selon Marc, ce n'est pas vrai. Le couple est toujours chez l'agence de Magali Berda, mais n'est plus en contrat exclusif, ce qui leur a permis de signer aussi avec Wee Evans. Je vous laisse avec les détails de Marc. Laurent et Jazz n'ont absolument pas quitté Shauna Evans. Laurent et Jazz ont tout simplement ouvert les yeux sur pas mal de choses, vraiment, et se sont aperçus qu'il y avait un gros manque à gagner, que ce soit un manque d'argent, que ce soit un manque de visibilité, que ce soit un manque de plein de choses. Ils ont décidé d'aller signer également chez Wee Evans. Donc du coup, Jazz et Laurent sont dans les deux agences. Ils n'ont absolument pas quitté Shauna Evans, ils sont en de bons termes avec Magali. Donc ils ne sont pas partis de chez Shauna, ils ont signé avec Wee Evans pour l'exposition, pour pas mal de choses, pour l'argent également, pour plein de choses. Donc, ils ont vraiment compris et c'est les premiers à l'avoir fait. C'est les premiers à avoir double agence, double cachet, double oseille. Et voilà. Donc, j'étais au téléphone avec Wesley Weaven qui m'a dit « Marcus, je t'aime beaucoup. Donc, dis la vérité. Dis qu'ils sont à 90% chez moi. Donc, je l'ai dit, frérot. Ils sont à 90% chez toi. Et il lui en reste que 10% chez Shauna Evans. » Et effectivement, le couple a commencé aujourd'hui, le 1er septembre, leur nouveau placement de produits. Et c'est déjà un succès pour une marque. Jazz et Laurent, on évite de me faire sauter mon site, hein, parce que c'est dû. Je te le dis, c'est dû. C'est vraiment dû. Vous m'avez laissé un reste le 1er septembre. Je suis vénère, là. Que pensez-vous de toutes ces infos sur la GLC Family? Selon vous, Jazz est-elle enceinte? Qui aimeriez-vous voir dans la saison 2 de l'émission? Vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker et de vous abonner par la même occasion.